Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Alain TV. On y est ici, Patrick Ediansi. La France est sur la situation politique PIA, qui est toujours dans une impasse. Et là, nous n'avons aucune perspective pour déboucher à un consensus, consensus large, que certains acteurs internationaux ont demandé pour que PIA relance, pour que l'espace politique-là ait gagné de nouvelles têtes là-dedans. Entre-temps, au niveau de ce qui a passé dans la zone frontalière-là, dans les conflits entre la République d'Haïti et la République dominicaine, donc il y a un goût de feu qui a éclaté mercredi dans le marché binational-là, et là, il est venu quelques heures avant même que ouverture officielle frontière a été faite bon côté la République dominicaine. Donc on a un ensemble de décisions abracadabra que le président dominicain Abinader a été pris pour fermer frontière. Suite à la décision que eh bien compatriotes qui sont dans la zone Wanamekio ont été pris pour construire un canal pour irriguer plein Maribao. Donc la décision ça a fait un pile de réaction bon côté dominicain qui ferme frontière qui pour un ensemble de décisions côté que continuer à milliers haïtiens. Et ouvert frontière pour des produits essentiels de façon limitée seulement, mais par contre, en face là, haïtiens yo campé droite, yo campé droite, yo dit que yo même yo pas pouvoir partir par yo et autorités locales yo accompagner population dans décision ça. Maintenant ça qui parle de tout dans le monde, bon goût du feu qui éclate bien bonnet dans mercredi matin et gen pile entrepôt côté haïtien stocké marchandises yo qui boulé et d'après yo représentant organisation qui groupé businessman haïtien dans la zone là, il y a un pile pète qui est valé à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et ces réactions qui sortit bon côté M. Clément Pierre, qui est président de la Fédération des associations de commerçants du Nord-Est. M. Pierre Kouéke, bien tu fais ça, c'est un bagage suspect. Car depuis 15 septembre, date que Abinader prend décision pour faire une frontière, donc pas grand-chose commerçant haïtien qui a accès à espace là, donc son en nouvelle qui vient encore créer plus de confusion dans ça que na vive entre la République dominicaine et la République d'Haïti. On commence l'actualité d'abord avec le premier invité nous pour Soya, c'est ancien sénateur Kedler Augustin qui est avec nous dans le studio de la TV pour nous commencer l'actualité. D'abord ce point, Abinader prend des décisions pour les nouvelles frontières et nous avons beaucoup de haïtiens, donc ils n'ont pas trop chauffé parce que ils ont même ils plus préoccupés par la construction du canal là, qui approche pas. Je salue Patrick, je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices Radio ALN TV. ALN TV. C'est un plaisir pour nous faire parler ça dans une circonstance difficile de vie PIA. Et il faut que je dise en général, dossier canal ça, c'est comme toujours d'habitude, moi réponds à lui-même avec un pile réserve, même quoique position pas m'évoluer depuis quelques temps, parce que il est vrai que réaction population nord-est l'a exprimé un certain patriotisme, parce que en fait, et en bas, débat qu'a fait et bataille qu'a fait pour canal là, c'est des intérêts économiques qui cachent derrière. Et c'est tout à fait normal que Haïti soit capable de profiter de ressources que le gagne pour améliorer l'économie nationale. Et lorsque, par exemple, Abinader, au niveau de la République dominicaine, a défendu tête pâle, tout c'est comme Samuel contre tout le monde, a défendu intérêt pâle. Ça va vous dire que la façon qu'il fait là, c'est la meilleure façon que tu es capable de gagner, d'autant plus qu'il a besoin même dans le pays pâle, des gens dans l'opposition qui critiquent la façon qu'il fait là. Tout. Mais en tout cas, nous croyons que c'est le pays pâle que l'a géré. La PC est défendue selon compréhension de problème, non? Selon ligne politique, parti politique parle, c'est qu'on s'en prend. Et plus grand problème, ce n'est pas la décision qui a pris, c'est la façon que nous fait là. On a vu très peu de monde parler de ça. Parce qu'à chaque dossier qui vient en Haïti, c'est une occasion de faire visibilité. C'est une occasion pour monde faire une campagne politique. Et moi-même, en tant que politicien, je me fais pendant tout le temps, c'est dans le Parlement, je paye pour ça et je ne fais pas. Je ne dis pas qui fait mon plaisir. Mon quelques plus gros problèmes que nous avons à côté illégalité que vous dit là qui gagne une décision qui est claire parce que accord d'arbitrage 1929 là que c'est ça c'est article 1, article 2, article 3, article 10, il est clair que Haïti est capable de gagner droit exploiter ressources à égal égaux avec la République dominicaine. Il est clair que mais moi-même en tant qu'autorité et mon responsable contrairement à en pile monde qui a gardé bagala de manière émotionnelle, moi je l'ai gardé là avec plus de 100 fois. Et moi je crois que un plus gros problème qui gagne là Patrick c'est
est-ce que véritablement, dans le cadre de ce conflit de droit international public, est-ce que nous sommes capables de dire que la République dominicaine a un vis-à-vis? Et c'est ça le problème. Je dis à nous apprécier motivation et élan de solidarité qui manifestait à l'égard de tous les Haïtiens pour la construction de ce canal, parce que là, bon pour nous. Mais nous ne pouvons pas moraliser la population pour critiquer pour un bagage qui est bon pour lui, véritablement. Au contraire, l'intervention là exprimé faillite en l'État, irresponsabilité l'État, parce que c'est depuis 1929. Et la première remarque que je me disais, c'est ça que je n'ai jamais intervenu sur la question ça, je pensais que la façon dont je n'ai pas intervenu, je n'ai pas pris le frappe. Même pas fait frappe parce que je connais ma petite vérité. Nous sommes capables de poser cette question. Depuis 1929, il a fait 1, il a fait 2, il a fait 3, il a fait 4, il a fait 5, il a fait 6, il a fait 7, il a fait 8, il a fait 9, il a fait 10, il a fait 11. C'est qu'il y en a pas 1. Donc c'est tout silence et absence. Et même pour faire 1, il y a un peu de résistance pour protéger l'État. Une résistance pour nous faire. Ouais, que l'État n'a pas accompagné Mounio. Exactement. Donc c'est détermination Mounio qui fait que le canal a continué. Donc, malgré déclaration que le fait dans le tribunal des Nations Unies, Ariel Henry, les fonds barrés pour la consommation internationale, la consommation locale, pour la presse, mais pas grande guerre action qui concrète qui pourrait, parce que Mounio qui n'est pas dans le bois dit comme ça que, ouais, présence ministère TPTC, ouais, présence ministère environnement, les présence ministère. Et c'est justement là que mis ensemble avec vous. Le fait que le fait un autorité qui n'est pas sur pas dans elle jusqu'à ce qu'elle arrive sous 11, Livine croit que le bon droit normal pour le faire, je dis. Et je dis, si la population a campé pour nous dire non, pour nous revenir à ça qui était dit dans l'accord, il faut que tu aies un premier monde qui accompagne, qui c'est l'État, parce que quand même, il s'agit d'un conflit de droit international public, quand même. Parce que je crois que c'est l'article 10 là, je crois qu'il dit ça tout, il n'y a pas de droit à mettre soldats plus ça, plus que 10 mètres. Bon frontière. Kolia, on va prendre compte que Yofel, nous faisons tout avec Bessap. C'est tant qu'on est capable de nous en droit, Yota doit perdu, et puis nous entrer dans nos épreuves de force, côté que véritablement, sur le plan de l'orgueil national, nous dénonçons force, mais sur le plan réaliste, nous parlons force vraiment. Oui. Et c'est parce que nous connaissons pas en force qui fait que c'est ça. Bon, je ne sais pas Bessap là pour fait vis-à-vis avec Mintel Winneke. Non, c'est une BSAP là, probablement pour protéger l'environnement. C'est à suppose la police qui t'a loué là. Exactement. Moi, je pense que c'est ça, Abinader. L'abdi militaire n'est pas là pour tirer tout. Mais nous d'accord que capable de gagner dérapage. Il y a possibilité de dérapage et c'est irresponsabilité de l'État haïtien. Donc, je dis à moi qu'à partir de l'intervention de sa population en TFA, l'État a été devant un signal fort que nous ramassons. Donc, j'en saute dit là, population en voulait faire, mais n'ont pas senti une volonté réelle de la part de l'État. Et le discours du Premier ministre Ariel Henry n'est pas rassuré le monde parce qu'il n'est pas posé aucune action. Ancien sénateur du Nord-Ouest, vous connaissez que des grandes initiatives, ancien président Jovenel Moïse prend pour lui-même tout. Qu'on se canale ça parce que l'information venait que c'était Firm Pal qui était gagné sous président Matéli pour commencer à travailler. Ça qui explique sous Jovenel pas vraiment avancé. Là, c'est extrêmement difficile parce que c'est après dossier ça, m'a bien connaissance de ça qui a passé. Et après une intervention Jacques Sauveur Jean et qui vient confirmer par Adi Jean Gardi tout. Et puis moi, je dirais Jacques Sauveur Jean, je parle ensemble avec lui parce que je connais que j'ai un pile bagage avant de parler de dossier, je devais assurer que j'ai des données fiables. L'homme côté Jacques Sauveur Jean, moi, pas poser cette question comme d'habitude, pour que ça, président Jovenel, pas de capitaliser sur ça véritablement. C'est comme, c'est-à-dire que monsieur fait un paquet de bagages, il était en pile volonté, tout le monde, mais c'était des dossiers extrêmement sensibles et fragiles que le toujours touché. Et je trouvais, du point de vue communication, tout dossier qui était capable de rallier la population à lui-même, l'inanyori et puis le pas capitaliser sur eux du tout dans moment. Donc je pense que si vous regardez l'an de solidarité qui manifestait parce que c'est Saint-Domingue, quand même il aurait obtenu le support de la population parce que nous pas nier que Jovenel Moïse n'est pas mouru tant qu'au président qui était populaire. Il est mouru tant qu'au président que large partie de la population était hein, très critiqué à tort ou à raison. À tort parce qu'il était en façon opposition qui a mené une bataille contre lui-même pour des intérêts inavoués que peut-être nous avons découvert aujourd'hui. Nous pourrons aller devant ça, nous finir avec la question canal là. Maintenant, le canal là est un point de nos retours, la population appropriée du travail là, malgré que l'État, et même l'État jusqu'à présent très hésitant. Qui perspective, ouais, sénateur? Perspective, moi, ouais, c'est que moi, regardez la position Abinader qui est même visée pour la dévier canal là dans tête côté de l'IA pour de l'eau à pas couler.
Là, ça m'a posé d'être ma question. Bon, si nous faisons tout effort, ça, nous faisons canal là, et puis les virer de l'eau à pas venir. Nous sommes déjà en plein dans un conflit de droit international public. Donc, autrement dit, moi, je pense que c'est le moment plus que jamais, après tout ça qui vient de faire, pour nous penser le conflit de manière responsable. Et malheureusement, et penser de manière responsable, pour moi-même, j'aime faire proposition, hein, c'est à que l'État prend en charge le dossier, mais par rapport à nonchalance, à n'ta capable de passivité que manifester là, moi pas les faire dupe comme si trop idéaliste pour me faire pas la volonté, parce que m'pas quoi c'est pour rien qu'un haïtien de sang capable de manifester autant de passivité face à un dossier, face à la République dominicaine. Parce que ce sont bagages historiques liés, son conflit qui touche sensibilité émotionnelle peuple haïtien, c'est ça qui fait gagner l'an de solidarité. Ça, soit haïtien, m'pas comment on le fait pas toucher. On connaît des haïtiens qui vivent ici, qui doit jamais ce domaine, peut-être maltraiter haïtien. Donc ça veut dire que le bagage ça a venu, je préfère well non. Un ensemble de dirigeants que n'a passé pendant longtemps, qui ont des intérêts avec l'autre pays pour des raisons que nous ne connaissons pas, qui pas capable de réagir véritablement. Donc, je pense que dans le cas ça, je ne suis pas capable de faire l'État confiance directement pour me dire qu'il n'a pas prendre en charge, même si je reconnais que c'est ça que vous faites. Et c'est ça qui fait que je me proposé que une commission de 5 experts qui travaillent pour l'autorité de l'État, pour avoir des données techniques, pour être capable de faire un véritable dossier international pour aborder la question. Ou Abinadel lui-même lui essayer de rencontrer par des rencontres bilatérales certains pays au niveau de l'Amérique pour chercher solidarité. Et bon côté pas nous, nous pas senti ça. C'est haïtien entre nous qui a fait bataille là tant que bagaille Petro Challenger, mon pas senti haïtien pas nous hein, chancellerie pas nous hein, après rencontrer avec plusieurs états pour expliquer au dossier jusqu'à ce que nous gagnons on appui au niveau. Il paraît clair sénateur Kedogisen que le gouvernement il pas engager la question ça parce que quand même le gouvernement était tributaire d'un secteur économique qui a babysitté et majorité de monde, c'est importateur et offert richesse avec la République dominicaine. C'est peut-être raison ça fait que le gouvernement si hésitant, si réticent pour entrer dans le dossier. Au sort de l'édition de l'intervention d'hier, on a posé avec le sénateur Kedler Augustin, qui est de passage en Floride, et là avec lui, on a essayé de brasser les dés sur sa fait actualité. On a pris une pause, on a tout à l'heure. Retour, vous êtes entendu sur l'NTV en hier, dossier assassinat Jovenel Moïse, ancien sénateur John Joel Joseph, il plaidé coupable mardi devant un tribunal fédéral américain en Floride. John Joel Joseph a facilité Monio Joine Machine. En plus de sa tour, tu as rencontré monde qui identifié comme auteur crime sous ancien président, qui est fait le 7 juillet 2021, la Calais dans Pèlerin. John Joel Joseph, c'est le troisième monde qui a inculpé dans l'assassinat Jovenel Moïse là. Autorité américaine, yo dit que yo compétent pour traiter les questions puisque complot li démarré ici en Floride et impliqué quand même en territoire américain. Donc faut que tu fais connaître que déjà tu as un ancien militaire et colombien, Germán Rivera, qui était plaidé coupable et en septembre dernier, lui-même il était regroupé mercenaires pour être cadré en Haïti à commettre crime ça avec un autre participant, monsieur Rudolf Jaa, qui était condamné pour le passer toute Resville dans la prison de ce qu'il était baïs pour perpétrer crime. Auteur ancien sénateur de la République, homme d'État, et sorti dans le département du Nord-Ouest et lui sous PHTK. Comment comprendre cet assassinat, ce crime crapuleux? C'était un choc et qui vient de mettre en pile bagarre à nu encore en, dans la société haïtienne. Non. Et de rappeler le sénateur John Joel Joseph, comment on dit j'en fais chair de poule parce que en tant qu'avocat, malgré toute sorte de réseaux sociaux par rapport à mon accusé, moi toujours
accorder la présomption d'innocence. Contrairement à tout le monde qui a parlé de présomption de culpabilité. Pas une présomption de culpabilité, c'est présomption d'innocence qui gagne. Et le moi, par exemple, mon n'a pas devant autorité, pas de doute encore. Et que mon a avoué que j'ai participé, ça fait comme fait chair de poule. Et pour me comprendre que la bataille pour pouvoir en Haïti, elle est vraiment terrible à ce niveau. Et en même temps, tout m'a regardé, lorsque les États-Unis disent que les compétents pour dossier ça, comment. Qui travaille qui était pour ta fête véritablement? Là, on a parlé d'une force internationale. Qui quantité de travail qui était pour faire? Parce que pour moi-même, pas de plus gros preuve d'atteinte à la souveraineté nationale que lorsque le citoyen pauvre n'a pas jugé que c'est l'autre pays qui a jugé. Et pendant que je dis ça, je ne dis pas qu'on faux nationaliste qui vient prendre pause comme si nous ne sommes pas libres, Non, je prends, c'est faute pas nous, c'est responsabilité pas nous. Parce que il est très ridicule qu'on ait campé ou dit que les pas bon pendant ce temps, même on y a jugé à les reconnaître là-dedans. Et pourtant, si c'est en Haïti, pas bien. Bon, en Haïti, quand même, parallèlement, il y a un dossier qui a mené, il y a un juge qui a marché dans des mondes. Récemment, il y a un ancien président de Calais, Michel Martelly. Et c'est certain que y a un dossier qui a monté en Haïti. Et c'est ça qui fait que moi-même, en tant que professeur de droit international public et droit constitutionnel, je ne peux comprendre comment l'agencement ça a pas le fait en juridiction locale là. Et juridiction pénale là. Parce que tout le monde connaît en droit, pas qu'on est tout droit américain, mais tout le monde connaît que pour un juge compétent, c'est en fonction du lieu, en fonction de la personne, en fonction de la matière et en fonction du temps. Ça veut dire que juge haïtien compétent, et c'est pas moi capable de dire compétent, d'ailleurs, comment s'étendre pour même cas. Ça veut dire que dans ordonnance juge haïtien, qui va à l'heure, m'a pas le gain pour ordonnance juge haïtien, parce que faut qu'il y ait une ordonnance de non-lieu, ou bien il dit moun sa yo qui accusé à. Pas de charge contre eux, ils libèrent eux, ou bien on ordonnance de renvoi, ils vont le juger. Or, si vous êtes jugé devant l'autre tribunal, pourquoi j'aime de dire comment il fait agencement ça, répartition ça, entre juge haïtien et lui-même. Ça veut dire que je dis à me arrêter, juge la café dans le monde, je dis à juge haïtien, et puis de même, des Américains vont chercher. Or, si le temps de monde, il faut qu'il y ait une ordonnance. Donc, ça montre que au niveau du droit international humanitaire également, des droits de l'homme, même au niveau des Nations Unies, il y a un pile de travail qui peut faire parce que le système qui a été monté, nous avons une remise en question de ce système qui était demandé par exemple en matière du respect fondamental des droits de l'homme. Il faut, pour faire un recours devant juridiction internationale, il faut l'épuisement des voies de recours internes. Il faut que les voies de recours internes aient été épuisées d'abord avant pour faire. Quand nous gardons une concomitance de juridiction entre juridiction l'autre pays et lui-même, alors que, en général, dans le système de droit, dans la théorie de droit étudié, il y aura pour nous conflit de juridiction. C'est-à-dire que, et dans tout système judiciaire, supposé un tribunal pour dire quelle est la juridiction compétente en matière de conflit de juridiction entre deux juridictions, parce situation que, bon principe fondamental, que situation les non bis in idem, deux juridictions, pas captant même cas en même temps. Donc, au-delà, c'est une situation très compliquée, parce qu'en Haïti, il y a probablement, c'est très certainement qu'il y a des forces qui ont traîné un dossier, qui fait que le pas abouti. En nous, l'autre aspect, c'est le sénateur Kédé Augustin, représentant du département du Nord-Ouest et du sous-bannière PHTK. Crise haïtienne, les pratiquement fragilisés fondements société A, dégradation situation économique là, et sociale, violence généralisée qui ruine particulièrement classe moyenne. Là. Bref, c'est pratiquement au échec de ce que je pourrais appeler des élites haïtiennes. Qui es-tu pas en tant qu'ancien sénateur de la République? Moi-même, moi, well, exactement, je crois que le thème exact, c'est l'échec des élites. Et en plus, le monde souvent a parlé, on dit que les politiciens ne sont pas appelés unis, ils ne sont pas appelés entendus. Chaque fois qu'on dit ça, moi, son perspective est très, très utopique, comme si moi, c'est illusion. Parce que je ne crois pas dans la démocratie que toutes les policiers doivent mettre tête ensemble. Je ne crois pas ça. Je crois que. Et il y a traîné la population dans le bagage ça longtemps. Chaque jour, les gens ne peuvent pas mettre tête ensemble, ils ne peuvent pas mettre tête ensemble. Ça ne peut pas comprendre le mot ça, même dans la démocratie. C'est en Haïti, je me demande pour tout le monde mettre tête ensemble. Je ne crois pas ça. Moi, je crois que. On a fait politique ou bien pour respecter les règles du jeu démocratique. On a besoin de mettre tout ensemble. On a besoin de la valasse, bien, mais peut-être calé. On a besoin de ça. On sait bagaille, moi, besoin qu'on ait que la valasse connaît que ce n'est pas l'élection pour le prendre pouvoir. Moi, je veux qu'on ait que l'élection fait bien pour mon fait. Moi, je veux qu'on ait que mon qui prend pouvoir, si c'est PHTK qui prend pouvoir, il n'y a pas de droit arrêter ou la valasse qui a critiqué, j'en ai géré pouvoir. Mais il faut que la valasse connaît tout, il n'y a pas de bloquer en dedans tout. Ou bien si c'est PHTK, il faut que les connaissent, il ne doit pas craser chez eux.
Il pas doit bouler la rue, bouler marché. Donc c'est ça qui a fait qui problème là, c'est pour question de mettre ensemble vraiment vrai. Ici, je crois que Biden avec Trump pas mettre ensemble. Mais il y a une limite. Yo. Il a fait la limite de la loi. Donc moi-même, je pense que je dis à plus gros problème là, c'est l'élite. Je dis à mon capement des politiciens mettent ensemble. Moi, en tant qu'ancien sénateur, moi, je suis privé. Parce que moi-même qui fais expérience, je ne sais pas qui les bagages ça va le faire. Seul ça me connaît possible, nous capables de conscientiser l'élite. Parce que le peuple a li pour col. Un peuple qui n'a pas un gros niveau d'éducation, l'école li pas bon, nous connaissons ça que fait l'école li pas bon. La presse, nous est janvier. L'église, nous est janvier. Que ce soit ses pasteurs, ses pères, nous autant de gens qui s'arroyent. Organisation de l'amour, chaque monde qui est campé, tout le monde qui est supposé éclairer le peuple, mais au chaque son temps. Je veux dire, pendant tout l'année que ça passe là-haut, en Haïti, sous besoin de faire nouvelles, par exemple, contre Jovenel ou contre Kiradjo, vous écoutez. Sous besoin de faire nouvelles pour Jovenel ou contre Kiradjo, vous écoutez. En retournant sur l'aspect donc, sénateur, Kilogusse, violence dans les points vraiment des proportions inquiétantes en Haïti, particulièrement sous régime PHTK, et parti que vous élu sous lui-même. Non. Et évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec ces grands bandits légaux, vous légalisez pratiquement banditisme, vous avez des acteurs dans l'État qui sont des bandits, vous avez des gens qui sont dans le secteur politique là qui sont des bandits. Bref, je ne pas dit que PHTK c'est lui-même qui gagne la bannière. Ce sont des choses qui caractérisent politique en Haïti. Mais vous sentez que vous avez élan pour pousser le banditisme dans le légal sous pouvoir. Et où est durant ces 10 dernières années, qui gens nous descendent au niveau à terre plate et violence, je vous dis à la, l'incontrôlable. En tel point que le Premier ministre et le gouvernement ont demandé appui international. Comment sommes-nous arrivés à ce niveau-là? Nous arrivons à ce niveau ça, c'est la bataille politique qui mène nous là. Et nous entendons par exemple, depuis bien longtemps, ont tendance pour utiliser quartier populaire, organisation populaire, pour faire campagne politique. Et des gens viennent dans stratégie, par exemple, si tel leader politique pas accepté, on trouve pas qu'à entrer. Et par conséquent, tout le monde qui a fait politique cherche un leader politique par haut. Ils viennent tolérer eux. Et ils arrivent même dans bas aux armes pour permettre aux gens force et puis faire ça ou faire. Et en plus, fois, les gens passent au pouvoir, ils ne savent pas qui côté ZAM passé, ils ne pas récupérer ZAM. On peut gagner le chômage, gagner le grand goût, un système éducatif comme ça, gagner le bagage qui n'est pas contrôlé. On arrive dans une situation côté que l'activité que gang a fait dépasse même les gens qui étaient météo et mettent eux même en danger. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Là. C'est qui solution qui te prend pour empêcher ça d'arriver là et qui s'est dit. Mais malheureusement, le problème, bam, c'est parce que. Bah ouais, nous prenons route pour nous résoudre le problème là. Parce que pour résoudre, un problème bien posé est à moitié résolu. Parce que poser le problème en seulement deux mondes pour craser, gang cap craser monde, c'est pas mon homme de content de l'homme, de content de la bannière, Chuck Norris, a bien l'autre qui plantait encore. Je dis à moi que on pas parler de sécurité dans le pays là, sans pas parler de système judiciaire. Parce que qu'on le veut ou pas, nous sommes à l'ère de la lutte pour le respect des droits fondamentaux de la personne humaine. En plus, le monde ne peut pas comprendre ça. Le, par exemple, il y a Kembe de trois bandits, il y a menotté et il y a tiré encore, il y a des gens qui défendent. En tant que politicien, je une réalité politique haïtienne, je ne peux pas paraître à le faire. Mais cependant, je ne peux pas lapider l'autre monde qui dit ça tout, c'est le parler de respect de l'homme, parce que l'homme veut dire tout le monde en général. Au caractère bandit, il y a un gros bois qui a brûlé pour lui, il y a un gros voix, et dans le pouvoir de l'État, voilà. Et dans le secteur politique là, qui garantit le gain que lui-même n'a pas dans le secteur privé. Qui parce garantit le gain n'a pas une peine que le mérite pour ça. À tort ou à raison, il y a impliqué le secteur privé à tout dans la situation de gang qui gagne dans le pays. Et eux-mêmes, ils ont expliqué que c'est pour protéger le business, l'État pas capable, qui fait obligé à aller avec gang parce que dans le business, chaque instant, on gagne par être devant eux pour venir demander de l'argent, obligé de faire alliance avec eux, c'est ça que vous expliquez. Maintenant, il y a une responsabilité de l'État pour l'assurer que le business a des garanties de sécurité pour obliger à gagner recours à gang qui pour la sécurité. Mais dans l'autre aspect, tout, dans la question, hein, l'État a supposé gagner contrôle douane et port et aéroport, puisque Zamio, c'est dehors sorti. Ouais. Recherche montre qu'il est sorti aux États-Unis. Il y a un trafic qui est par République dominicaine. Il y a même récemment une source qui dit que le trafic est par zone et Jacques Pell avec Aquin. Donc, côté trop fait pour ZAM pour boss bientôt et ZAM pour manger. Maintenant, au besoin d'État responsable qui pour contrôler le pays, pour ne pas faire manger sous XY qui a fait ZAM rentrer.
et soit à faire l'argent, et puis tout cap rendre population et plus vulnérable par rapport à bandits qui ont terrorisé chaque jour. L'État, là encore, c'est encore ce système judiciaire-là. C'est le système judiciaire cap, avec juste instruction, avec commissaire, cap commandé des CPJ dans l'enquête. Et puis, c'est garanti. Alors, le problème, c'est quoi? On m'a arrêté, il y a 1, 2, 3, 4, au moins 5 façons pour ne pas punir aucune peine. Premier bagage, il y a un droit monde, une autorité pour dire que fait la on guerre. Passe pour qui. Mm-hmm. Deuxième bagage, si ça va passer, il doit arriver paquet à commissaire a dit pas de raison pour le poursuivre volontairement même s'il y a raison. Si ça va passer, il doit arriver devant juge d'instruction il ba un non lieu qui pas justifié pour sans raison de la guerre, corruption, pot de vin, tout donc ça. Donc comme passer en bas, il doit encore juge la guerre doit lui-même pendant là il pas voulu faire ça parce que ça a fait grave et pourtant des paquet écrasé, cabinet d'instruction écrasé, il a détruit preuve. Ou bien non, cas extrême, il est condamné et il a écrasé prison. Il est condamné et il a écrasé prison. Ça veut dire que les gens sont des policiers. Ou bien policiers des sorties. Bon, être policier des sorties. Donc, il y a 5 possibilités qui encouragent, qui ne pas intimider pour faire crime. Nous allons proposer dans notre nom pour aller élaborer sur la question mission internationale qui domine en Haïti, malgré qu'il y ait une résistance au niveau de Kenya, mais au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, la question a été passée. C'est en suspension que haute cour de justice dans Kenya m'a défait, probablement pour étudier plus de dossiers, pour nous connaître comment question ça a fait. On va faire ça avec le sénateur Kid Augustin après la pause ou soit l'interview en DR. Voilà, bon retour. On a fini Cosmano avec le sénateur Kedler Augustin qui est de passage avec nous là dans le studio de la NTV. On a essayé de comprendre la réalité du pays d'Haïti, crise politique là qui perdurait, situation d'insécurité et il y a de cela un an depuis que Ariel Henry et son équipe ont demandé support aux Nations Unies pour venir aider, porter la main forte à la police nationale pour faire face à Gagnon qui continue à terroriser la population. Nous avons durant ces 6 derniers mois, Gagnon vient beaucoup plus féroce. Beaucoup plus arrogant. Ils ont pratiquement fini racher dans devant la police nationale, l'encraser, commissariat, brûler, yo, voler sa clade dans yo. Et on a vraiment l'impression que l'État est puissant pour faire face à bandits. Et la police, de jour en jour, a montré incapacité pour faire face à la question. Maintenant, le poids politique de la question et le poids de l'international aussi. C'est quand même, c'est vrai que les Haïtiens ont mal géré le pays. C'est vrai qu'ils ont une implication internationale qui gagne dans le pays ou ensemble de laquais, si vous me passez l'expression, qui ont utilisé, c'est des tuteurs, donc c'est eux-mêmes qui mènent. L'international n'est pas innocent dans cette affaire aussi. Tout à fait. L'international n'a pas qu'à dire innocent, d'autant plus que c'est. Dès le départ, c'est un monde, peut-être pas tant aucune réaction sur ça. Peut-être que c'est le seul monde même qui a contesté au retrait MINUSTA. Moi, j'ai une confidence m'a fait sur la télévision, ça, que j'ai écrit ça dans le livre moyen. Moi, après une rencontre, nous avons gagné dans le Sénat avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la rencontre, ça m'a raconté tout ça dans le livre moyen. Dans la rencontre, ça, tu as un sénateur Yuri Latortu comme président du Sénat, tu as un président chambre des députés à Cholzé, tu as un sénateur Evalier Beauplan, commission affaires étrangères, tu as un Jean-Renel Sénatus, commission justice, tu as moi-même, commission réforme constitutionnelle, et puis Dieudonne Étienne Luma comme commission Jean, dans le Parlement, qui a participé dans la rencontre ça. Avec le Conseil de sécurité, je me suis songé, c'était peut-être en mars comme ça.
en visite en Haïti, puis ils ont évalué la mission hein, et la possibilité pour faire un retrait des troupes de la MINUSTAH. Et je crois que c'était le sénateur Youri Latortue qui était avant posé la question de remobilisation des forces armées d'Haïti, que je suis enchaîné, je suis supporté. Le président de la Chambre des députés a fait même tout, nous avons parlé pour ça. Et là, nous gardons le membre du Conseil de sécurité, nous gardons l'autre, nous visiblement montré que nous pas intéressé à ça. Et nous avons des questions là, nous montré que nous avons plus intéressé dans. La police là, il pas voulu. L'homme vient comprendre ça. En tant que ami et bon PHTK, bon ami, supporter du président Jovenel Moïse, moi, relil, moi, à mal côté dans la soirée, moi, dit président, j'aime bagay ça là, international là, pas voulu, remobilisation des forces armées d'Haïti. Il dit, ma, quelles que soient les conditions, il faut la faire quand même, parce que faut que le ministre aille. Je dis, président, il faut que nous voyons le ministre. Il dit, ah, qu'il n'y a pas besoin, père. Moi, je cherche le travail, je vais le travail, c'est pour que je vais un tracteur, je vais aider, c'est sous travail, ça me campe. Sans chantier, je vais le mettre au pays. Et puis, je dis, président, quand ça me dit, je dis, président, vous croyez que c'est ça qui est plus bon? Il dit, oui, c'est ça qui est fait. Je dis, je ne sais pas quoi ça. Je dis, vous ne pouvez pas remarquer que c'est la première fois, monsieur, que vous avez même position avec vous, comme c'est pour le ministre. Vous ne pouvez pas nous tous les deux d'accord, je dis, c'est rare fois, oui, vous êtes d'accord avec vous. Je dis, faut qu'on dit, président, là, au final, là, c'est l'obéi qui va le péter. C'est Chablin de ça qui est là, qui fait pour qu'on ait l'obéi. Bah, c'est celle privée qui fait demander à parler. Toujours le ministre là, qui fait le là. Ça veut dire que, souvent, aller là, pas qu'un bébé, ça parle encore là, non? Il dit, ah non, mon cher, là, pas le travail, là, pour mobiliser les forces armées d'Haïti. Je dis, bon, de toute façon, je suis content pour les forces armées d'Haïti, même par contre, je vois bien l'argent. Pour camper véritablement. Mais donc, on y a non face à une réalité, la mer à l'al, pas de moyens, pas d'équipement, donc il va avoir grand chose. La police nationale a pratiquement diminué, il y a bal de trois moyens, c'est vrai, mais il y a en termes de formation, parce que la police n'a pas préparé pour ce type de guérilla. En pile, on a toujours oublié ça à chaque fois. La police n'a pas de formation, pas de vocation pour faire ce type de bataille, ça. Maintenant, bon, force internationale qui doit entrer dans le pays, il est très critiqué par différents. Secteur et même dans le pays Kenya, il y a une opposition, mais c'est l'imposition de l'international et c'est un petit peu en sorte de procuration. Ben c'est que Kenya a fait un travail que probablement les États-Unis pas voulu faire. Canada a refusé de faire, donc pas procuration, il y a brouillé et Kenya. Et là, les réalités sur le terrain, et ces versions sont faites à la souveraineté des pays. Et Kenya qui en 62 là, ce point d'indépendance, c'est vrai ou capable de dire que vous êtes nationaliste, vous êtes patriote, c'est vrai ou capable de dire que vous êtes en face, mais en réalité, il y a dit là que les dirigeants sont en Pomango, ils sont à terre plate, ils sont obligés de joindre l'aide au niveau international. Oui, moi je crois que ou bien posé, parce que en pile fois, nous plus contentés, nous pouvons dire que ça est illégal, ça n'a pas de fait, ça n'a pas efficace, ce n'est pas bon, mais on nous pose une question, on nous retire ça, situation que là, comment la résoudre? L'homme demande comment la résoudre, là, parce qu'il n'y a pas une situation légale pour le résoudre. Parce que des fois, il faut sortir dehors de la normalité légale, ou pas foutu de sortir encore. Et c'est même bagaille, par exemple, Yabdim, par exemple, et Ariel. Bon, c'est pas. Malgré toute critique, je suis Ariel. Mais là où on a pris argumentation, c'est parce qu'il n'est pas légitime, pas de monde qui a voté le bon. Si ce n'est pas élection, pas de l'autre monde qui a monté tout, pas de monde qui a voté le bon. C'est même bagaille à la pied. Il n'est toujours pas légitime. Donc ça veut dire que je dis, moi, je crois que les Nations Unies. T'es un devoir d'ingérence humanitaire pour le devenir. Il n'y a pas même besoin de tant de premiers ministres, et c'est ça que je me dis. Je dis à nous, toujours nationalistes, mais cependant, il y a des gens qui ont grand pile de gens qui perdent du travail, t'as allé à mort. Dans le commencement, on t'a signalé ça, il y a des gens qui ne comprennent pas, on doit parler de classe moyenne. Ou par contre, quelle quantité d'entreprise qui fait, mais qui n'a pas fonctionné. Les gens qui sont habitués à sortir de l'eau, ils font manger le soir pour vendre, qui n'ont pas capable de sortir. Donc, pas de possibilité. Misère, ça, terrible. Mis à part ça, ou gardez aujourd'hui à beaucoup de monde qui t'a supposé pour tes solutions, que ce soit ces classes politiques, que ce soit la police là en lui-même, que m'a salué en pile effort, contrairement à ça, en monde, pile effort, moi la police là fait, contrairement, même moi, quoi que je fasse en pile effort, en tant que monde qui était dans la commission de justice là. Mais cependant, faire en pile effort, pas faire me soudre pour me tenter que y a des gens qui disent que en pile fois, son machine la police qui prend tout. En pile fois, tout, il y a la police qui a by gang. Information que vous là-dedans. D'ailleurs, la police qu'on a arrêté. En pile fois, tout, chariot, qu'on dit qu'on a poté quoi pour botter le monde. En pile fois, vous faites service privé. Donc, ça veut dire que l'homme garde ça, je me compte que nous avons un problème sérieux. Et si on dit, c'est quand tête calée, c'est quand opposition, c'est quand Ariel, c'est quand secteur bourgeois,
qui armé monsieur yo, tout le monde ça aussi haïtien. Or tout le monde qui a besoin de prendre pouvoir là, c'est pour résoudre problème là, c'est dans même là encore pour solution à ta sortie. Donc pour moi même pas quoi solution à bien me sortir. Quand on positionne par rapport à voix qu'a lancé dans milieu là pour que Ariel et quitte ça, parce que quand même Ariel là il signe deux accords, il respecte il pas respecté yo, il y a accord en septembre et que de signer avec ensemble de secteurs dans classe politique là. Échoué, t'es gon deuxième accord 21 décembre 2022 avec ces mêmes petits coquins, donc encore ces petits copains si vous voulez, qui pas respecté, qu'on y a là Ariel non position délicate parce que normalement 7 février cabinet 2024 t'as supposé gagner en passation de pouvoir, t'as supposé qu'on prise qui élu, qui peut être mort. Bon, l'accord ça a pas kembe et PHK a mis ça, pratiquement pas grand qu'un qui c'est le cas proposé là pour nous sortir de la situation. Bon, m'pas habilité pour mal parler pour le président PHK, d'autant plus depuis quelques temps. C'est pas qu'on rencontre, mais sous président Jovenel d'ailleurs, pas de gens qu'on rencontre pour une culture de parti véritablement. Que moi, j'ai été critiqué, l'MD, j'ai été campé. Mais moi-même, je crois que la position est extrêmement nuancée sur la question Ariel là. Moi, papa, l'encourager personne, mon vin, dit que soit c'est accord Montana, tout accord pour me dire si vous parlez de fond bagaille, tout le monde sait même bagaille là, vous parlez de fait. Et m'a voulu que vous parlez là, prenez ça comme un support pour débattre, tout même capable de constater réalistement, je dis, en phase nous, là, avec résolution Conseil de sécurité, moi, j'ai senti de plus en plus que présence Ariel vient tourner, tant que j'en ai dit ça, un irritant. Il dit, t'en a devenu un irritant. Ce n'est pas parce que je crois que l'autre pays n'a pas le fond bagaille. Nous sommes d'accord que son irritant là pour allier, même pour solution que l'international a supposé aider pour terre. Parce que quelque part, pacifier le pays, démanteler le pays, retirer les gangs dans le pays, c'est pour créer un climat favorable à la réalisation des élections. Que dit élections, c'est avec les partis politiques pour le fait. Si dès le départ, vous n'avez pas négocier avec Ariel Henry et il n'y a pas des arguments assez convaincants pour dire que l'accord a été fini, véritablement, vous n'avez pas un consensus, moi je crois que quelque part, même la communauté nationale va être obligée de constater que le gouvernement en place est un irritant. Et dans le cas ça, pas bien l'autre possibilité, je ne sais pas si vous avez un gros regret parce que Ariel est là, que je ne sais pas si vous avez un regret. C'est pour moi que je ne regret. Je dis, est-ce qu'on est l'autre, c'est mon bagage là. Est-ce que ça veut dire même que les jours que son bagage qui pisse et tout, c'est pour voir que vous cherché. Est-ce que ça veut dire que donc, le jour de Ariel serait compté? Moi, je pense ça. Je pense ça parce que je ne sais pas si vous avez encore avec l'autre partie. Et depuis, force là, t'as fini. Réalisation élection, même si nous-mêmes nous avons l'autre bagage, n'a pas attendu de lui, même si nous pouvons faire pressing pour nous joindre, même qu'on est sac dans tête seulement, c'est faire élection et démocratie. Pour eux, même depuis l'élection, on côté et démocratie. Et nous connaissons que l'élection est capable de faire là, peut-être son l'autre émission. Si le fait sans ne pas adopter l'autre constitution, c'est courir pour la pluie, tomber dans la rivière. Parce qu'il y a des problèmes graves là. Plus passer 200 articles, on vous fait 200 articles pour faire amendement, ils font un amendement, quoi, ils ont révision. Donc par conséquent, il faut que nous prenions le temps qu'il faut, avec une prise de conscience pour l'élite assumer responsabilité et que le parti politique change de direction, jusqu'à ce que nous soyons capables de prendre le temps qu'il faut avec l'accompagnement. Bavine dit sous tutelle, non, avec l'accompagnement. Mais tout le temps, nous ne pouvons pas assumer responsabilité, non. Nous ne pouvons jamais pas sous tutelle, pas sous domination, nous ne pouvons jamais parler de souveraineté. C'est ça. Merci, sénateur Kédler Augustin, qui était dans le Parlement, représentant le département du Nord-Ouest. Donc, il a causé avec nous sous conjoncture au pays d'Haïti, avec différents aspects au niveau économique, social, sécuritaire, mais aussi perspective pour que nous sortions dans la crise Sahara qui est vraiment perdurée. Au sort de la question de la Nativandienne, nous allons parler de santé après la pause.
Voilà, bon retour, nous sommes parlé politique, longuement avec ancien sénateur Kedley Augustin, parlé santé avec ANBC La Vie, segment qui est entré chaque jeudi dans le Sahara en dedans à l'intérieur d'hier. Hier. Alors, nous avec nous un docteur Alain Innocent qui va parler avec nous de angine de poitrine. Ils sont complications tout qui venaient au niveau du système respiratoire qui est lié à cœur tout. Et avant justement que nous entrions en phase cardiaque, donc généralement, angine de poitrine sont signes. Nous te prions ce segment ça avec un docteur Alain Innocent. Bonsoir Patrick, bonsoir tous les téléspectateurs. Et bon, je pense que le principal bagage pour mieux comprendre, et c'est la différence qui gagne entre angine de poitrine avec l'autre bagage qui gagne droit bas monde, ça y est, et douleur de poitrine. Et angine de poitrine est très spécifique et à maladie que, et contrairement avec un pile l'autre bagage qui gagne droit passer dans le digestif ou bien qui gagne droit à passer dans le cotou qui gagne droit eux-mêmes yo responsable pour yo causer un certain et douleur qui est en zone poitrine nous le n'a parlé de angine de poitrine n'a parlé de et on symptôme souvent qui très classique qui qu'on rive moun c'est le par exemple mon n'a font effort Patrick. Disons par exemple ou gon moun qui était très bien les dit au doc depuis fait ça m'a monté 2-3 marches escalier et ben me senti coffre l'estomac m'a fait mal ou ben me senti que gon bagage qui chita sous coffre l'estomac mou gen des moun qui kon di au senti gon bagage qui font pression et sous coffre l'estomac yo et souvent et bagage qui pi classique là qu'on rivé c'est que Patrick mon n'a kon rete les dit comme ça ah mon cher moi remarqué ça qu'on arrive même pendant m'a fait effort et puis comme font camper me suspend faire effort et puis douleur a baissé donc depuis moi ça arrivé me camper me font chita et puis moi douleur a baissé donc ça que li impliqué pour nous même cap tendez et moun nan cap bay histoire Patrick c'est que gon sorte de augmentation l'en demande oxygène que cœur a besoin pour tête effort qui en plus là. Et le fait que moun nan ka gon artère qui ont tijan bouché donc imagine on tuyau que tu supposé a bailler on débit d'eau qui pi grand que pi volumineux que ça te qu'on a bailler avant qu'on n'est pas capable parce qu'il pas ka ouvert parce que artère là ont tijan rétréci donc il pas fouti bailler de l'eau en plus que tu as supposé bailler donc l'en cas ça c'est pas de l'eau n'a parlé de sang qui supposé à long zone et bien spécifique là cœur donc le fait que artère ça bouché et ben qu'on le monde n'a fait effort comme une augmentation la quantité d'oxygène que tu as besoin et qui côté pour oxygène sorti c'est en dans sang là on molécule que relé hémoglobine que et transport d'oxygène en fait donc si ou pas ca joindre ça en plus automatiquement ou gain douleur ou gain difficulté mais douleur pas simplement qu'arriver dans la poitrine de monde, parce que bon, ça, c'est lui-même qui est plus classique, qui est plus spécifique sur les batteries. Mais il y a des fois, il y a des gens qui présentent beaucoup de choses, ils disent, j'ai une douleur dans le bras gauche chaque fois que je fais un effort. Il y a des gens qui ont même une douleur qui radie dans le cou, ils disent, j'ai l'impression que c'est bon et cou, bon mâchoire. Il y a même des gens qui ont peut-être expérimenté ça assez bizarrement dans le dos ou bien dans pas des dos des bagages comme ça. Donc quel que soit gens que lié à bagage qui très caractéristique là, c'est le fait que c'est un bagage qui déclenché par un effort physique car on monde tout par exemple qui dit l'été qu'on a fait sport tout le temps, l'a fait la lente gym, il monter sous treadmill, il pas jamais de problème et puis brusquement chaque fois l'a fait effort, il sentit que li gon douleur et la zone ça qu'on veut parler à tout et puis il y a des bar atypiques tout qui qu'on arrive côté que ou ka gon moun qui dit bon bien entendu et faut nous clarifier nous pas paniquer personne il y a des fois un moun ou tellement pas fait exercice que brusquement ou laisser faire exercice ou sentir essoufflé mais nous pas parler de ça en général un moun qui est en mauvaise forme physique m'a parlé de un moun qui est relativement très bonne forme physique qui te qu'on a fait ces exercices réguliers et puis mon dieu oh me senti que regardez m'a tout fait tellement coiffé sur moi et inconfortable le ça docteur a pensé à angine de poitrine et ça son signe qui est très important. En nous facteur de risque. Bon et facteur de risque qui est très très important que nous parler de lui en long et en large ici hein ou bien cigarette.
Cigarette là sont gros killer et une la principale intervention que nous-mêmes comme docteur nous ka fait l'on moun vin avec devant nous avec angine de poitrine, c'est mandel pour suspendre fumer. Parce que cigarette là lui-même li contenu des agents qui nocif qui causer restriction artérielle et qui augmenter quantité de plaques de cholestérol qui ka déposé en dans vaisseau. Comme moi je dis mon cholestérol là, deuxième facteur de risque très important, c'est cholestérol. Souvent nous gagne des malades qui viennent devant nous qui disent doc, pas senti rien, ou pas des dim faut mal prendre graine pour cholestérol et alors que me senti normal. Souvent et mon yo gagne doit pas comprendre que des fois après des années de souffrir de cholestérol qui très très élevé, m'pa parler de cholestérol à un niveau qui très bas. Eh bien, ou vin gon paquet plaque qui déposé en dans artérieux qui vient commencer à boucher et circuit et diamètre artériel là et puis qu'on y a qui causer et symptômes ça yo parce que souvent nous gen doit dire mon al fait ti effort physique al fait exercice changer gens pour manger puis cholestérol la cabesse peu importe gens comme mon ka fait de pou ka fait ou même tout li pas un mauvais bagaille. L'autre bagaille là c'est diabète Patrick, maladie sucre son maladie qui est comme tellement marché main en main avec ça nous les maladies coronaires qui c'est maladie vaisseau cœur que des fois on dit l'homme un diabétique c'est comme sous tout dit que il a un problème cœur tellement que son bagage côté que incidence a augmenté dramatiquement depuis que mon fait maladie sucre. Donc un monde qui fait maladie sucre li excessivement important pour sucre la contrôler parce que souvent ça qu'on connait tout c'est que le sucre la pas contrôlé Patrick et ben cholestérol moun nan mal contrôlé en pile faut attention moun nan perdit rail li déraillé et puis qu'on y a ou vinn commencer gon paquet d'autres problèmes métaboliques ou problème triglycéride problème cholestérol et enfin des bagages ou tension qui sont l'autre facteur de risque très très important. Et l'autre tension qui mal contrôlé surtout dans des populations comme population panne population haïtienne le monde en vinil du adoc ou peut d'ab dim tension ou ab dim faut mal prendre grain mais m'pas senti rien américain relé tension silent killer silent killer a veut dire son monde cap touyo ça pas fait bruit et ben tension c'est exactement ça que le fait malheureusement qui plus grave encore va dire que regardez bien c'est le fait que tellement prend temps. Non seulement silencieux, mais pour un paquet de temps. Donc, on moun ka vin très confortable avec l'idée que tension ou pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou pas gagner, ou pas sentir rien, ou sentir très normal. Mais, seul bagage que nous-mêmes nous gagnons comme épreuve scientifique, c'est que si nous prenons 100 moun qui gagne problème de tension qui mal contrôlé, 100 moun qui gagne cholestérol qui mal contrôlé, 100 moun qui gagne sucre mal contrôlé, et pour mettre eux, à côté sans monde qui gagne tension bien contrôlé sans monde qui gagne cholestérol bien contrôlé le nous suivre moun sa pendant 15 20 ans quantité moun kap fait angine de poitrine dans groupe qui mal contrôlé yo li dramatiquement plus haut que moun qui bien contrôlé. Donc c'est ça qui fait que nous mêmes comme docteur nous dit le nous diminuer et le nous améliorer contrôle là plutôt le nous améliorer contrôle facteur de risque yo nous diminuer quantité complication quantité moun qui va l'atterrir la complication. Docteur Alain Innocent, comment on ka fait une différence entre angine de poitrine et crise cardiaque? Bon, angine de poitrine là souvle Patrick, c'est petit bébé a cap annonce que gonto ogde et peut-être son mauvais appui cap annonce que pral gen cyclone. Eh ben et angine de poitrine là souvle ces symptômes initial là côté que moun nan gen doit li juste commencer senti douleur mais on quitte le marché ou quitte le marché assez longtemps kounyen ou vin gen ça relé mortalité de cellules cœur et ça veut dire que si oxygène supposé rivé lan on parti lan cœur li coupé pendant longtemps assez zone ça pas recevoir oxygène ou vin gen ça relé crise cardiaque là côté que bon mortalité de cellules complètement et puis qu'on y a on vient obligé à atterrir l'hôpital pour faire des interventions qui beaucoup plus avancées
pour les gens. Et dans ce sens, comment ANB aider, comment ANB encourager les patients eux-mêmes pour être vigilants par rapport à l'angine de poitrine? Bon, je pense que c'est affaire de l'éducation pour les gens très au courant. Une fois que vous développez ce type de symptômes, il faut que vous soyez docteur immédiatement. C'est bon, bah, qui attend mois prochain ou bien on visite dans 3 mois ou bien on visite dans 4 mois ou bien on visite dans 5 mois. Depuis qu'on a expérimenté l'angine de poitrine, c'est déjà un signe qui est important assez, qui des fois quand même nécessite qu'on aille à l'hôpital. Si par exemple ou fait commencer à gagner l'angine, c'est bon bah qu'on jamais habitué à gagner, on sentit qu'on a une douleur qui est très difficile pour qu'on ait de la carrière ou que c'est l'angine qu'on a fait, parce que l'angine a présenté même symptômes avec crise cardiaque là. Donc en quelque sorte, nous quand même dit au monde qui gagne en pile douleur dans la poitrine ni, qui fait commencer. Si son bagage qui vraiment déclenche de l'autre symptôme, par exemple, ou transpirer, ou senti ou gagne nausée, ou senti ou gagne vomissement, puis tout à l'emergency room, y a checko, y a fait ça, ou électrocardiogramme, y a fait et on teste en sang que y a l'enzyme cardiaque. Enzyme cardiaque là permet de déterminer que peu importe que l'EKG apparaît normal ou pas, et souvent ça arrive, que mon n'a pas un électrocardiogramme qui est normal. Le ou fait test enzyme cardiaque ou est enzyme ça yo élevé et ça son signe que moun nan déjà traversé l'an et affaire de crise cardiaque là. Nous recommandons moun qui commence à sentir symptômes ça yo pour un petit bébé aspirine qui c'est un bagage qui relativement facile et très accessible pour majorité public là. Sou gonti aspirine bokoto ou commence gen douleur, prend ti aspirine, cherche route ka docteur et puis automatiquement y a djou ça pour faire qui l'autre médicament qu'on gen pour prendre. Parce que grand pile l'autre médicament qui fait partie de panoplie bagage que nous offrons pour traiter et angine de poitrine, par exemple, nous avons des médicaments que les bêtes à bloquant, qui sont des médicaments que nous utilisons pour tension, tout, il y a des gens qui ont parlé de métoprolol, de athénolol, type de médicaments, c'est des fois que nous utilisons pour tension, et bien, ils sont très bons, et tout comme des médicaments qui sont utiles pour les gens qui ont angine de poitrine, nous avons des calcium bloqueurs, tout, qui sont très utiles, et puis sans compter les médicaments qui sont médicaments cholestérol, que nous avons parlé. Voilà, nous sommes parlé politique, nous sommes parlé santé, mais avant de finir, après le faire dans la dimanche depuis que notre jeune et célèbre artiste haïtien Michael Benjamin était tombé sur scène à Paris-Bercy pendant qu'il a performé. Donc ça a fait un an depuis que nous avons perdu un gros artiste, un gros patriote qui était dans le pays d'Haïti en pile, qui chantait le pays d'Haïti dans différentes musiques. Donc il fait le grand voyage depuis un an, mais il a encore été présent non? Dans le temps à travers œuvre, à travers chansons de yo, à travers l'inspiration des musiques qui ne peuvent jamais vraiment tarir. Encore une fois, nous saluons la mémoire de Mika Ben, qui lui-même fait le grand voyage il y a de cela un an. C'est dans l'autre édition de la TV On The Air. Bonsoir, à bientôt.